Bonjour à tous. Ici, bon, ça va être un tuto pour mon forum. Donc, comme j'ai mis des jeux ici sur mon forum, donc des jeux d'arcade très sympas. Donc, à ceux qui veulent jouer, tout ce que demande c'est insérer l'image de vos scores sur le forum. Hein, comme j'ai fait ici, donc je clique ici hein, répondre au sujet. Donc j'ai répondu, j'ai mis ma copie, comment dire, la copie d'écran quoi, en fin de compte du jeu que je fais, que j'ai fait quoi. Donc en mettant ici, on voit par exemple level 16 hein, pour mon score. Donc je vais vous expliquer comment mettre une image sur le forum. Donc on va commencer, bon admettons, bon, je vais rester sur cette page-là. Donc tout le monde n'utilise pas Photoshop, GIMP, PenShop Pro, etc., etc. Donc ici, bon moi je suis sur Seven, je ne sais pas comment ça se passe sur XP, je ne me rappelle plus. Donc ben, pour faire une copie d'écran toute simple, on va cliquer ici, tous les programmes. Accessoires et ici on a outils capture donc c'est très simple donc ça nous met cette fenêtre-ci hein, donc je vais la mettre là il suffit de prendre ici et on prend ceci qui nous donne directement cette page-là une fois que c'est fait on a notre copie d'écran on n'a plus qu'à enregistrer. Vous enregistrez où vous voulez. Bon, par exemple, hop, je vais faire enregistrer. Il existe déjà. Je fais oui. Je peux couper ça. Et sur le forum, on a un hébergeur d'images. Ici, héberge image 2, par exemple. On va dessus. Donc ici, ça nous ouvre un nouvel onglet. On va parcourir. On va aller chercher notre image, donc capture, c'est celle-ci. On fait héberger. Voilà. Donc ça nous met ici l'image qui a été hébergée. Et ici, on va prendre tout ce lien-là. On va faire copier. On va retourner sur le forum. On fait répondre au sujet. Hop, je suis parti trop loin. Et ici, on fait couler et répondre. Donc là, je ne réponds pas parce que ça ne sert à rien. Donc je vais quitter la page. Voilà, je vais rester sur celle-ci. Voilà. Donc pour celui-là qui n'a pas ben justement cette capture d'écran. Ça y est, je ne sais plus comment il s'appelle. Accessoires, outils capture, soit qu'il n'y a pas outils capture. Il y a un logiciel gratuit, ben celui-là j'ai essayé avec, avec Paint directement qui est dessus. Donc c'est pas fameux pour avoir juste une image comme celle-ci. Donc il y a un petit logiciel qui est très sympa, c'est PaintNet. Paint net, je vais descendre ici, paint, paint.net. Voilà, nous avons ceci. Donc, hop, donc en ayant cette image là, on va cliquer sur taper sur la touche imprime écran qui se trouve à droite de F12. Donc j'ai cliqué dessus, j'ouvre Paint, hop, je vais descendre un peu, je vais faire édition, couler, on va faire couler directement. Bon, ne pas modifier la taille de la zone du dessin, ok. Donc hop, j'ajuste ici, on peut avoir mon image,
Bon, Paint, par exemple, elle a beaucoup de fenêtres flottantes comme ça. Faut que je regarde s'il n'y a pas un moyen de mettre à un seul endroit tous. Bon, enfin bref. Ici, je vais prendre rectangle de sélection ou la touche raccourci S. Et je vais sélectionner, par exemple, cette partie-là. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va faire édition, copier ou couper comme vous voulez. Et on fait édition, coller dans une nouvelle image. Voilà. Nous avons notre image ici. Et l'autre est toujours là. On voit la différence. Hein. On n'a pas tout ce qu'il y a autour. On n'a que celle-ci. Et là, donc on fait ici enregistrer, ou alors ici fichier, enregistrer sous, vous mettez votre titre et vous faites enregistrer. OK. Donc comme ça, ceci étant fait, bon ça, on n'a plus besoin de ne pas enregistrer. Hop, boum. Et puis ben, pareil, hein, vous allez sur l'hébergeur du forum. Et puis ben là, hébergeur du forum ici, on clique par exemple ici sur Cheverto, voilà. Faites parcourir, et ensuite vous choisissez votre image, vous faites héberger et vous récupérez le lien avec les crochets IMG. Donc ben, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc là sur le forum, je commence à mettre pas mal de petits œufs, oh là, de petits jeux flash. Hein, j'ai commencé à mettre ça aujourd'hui. Bon, ils sont très sympas. Je trie hein, ceux qui sont assez simples pour jouer, tous ces trucs-là, hein, qu'il faut pas appuyer sur le A, le E, F, Z, enfin 36 touches en même temps, qu'on peut jouer pratiquement qu'avec la souris et une ou deux touches du clavier. Voilà. Sinon, en jeu flash, hop. En jeu d'arcade, vous avez ici un jeu d'arcade. Voilà, c'est mon ami Arthur qui s'en occupe. Voilà. Il y a pas mal de jeux arcade ici, hein. Et les scores se mettent ici. Bon, j'ai 9 meilleurs scores, ici 5, ici un meilleur score, ainsi de suite. Hein. Il y a pas mal de petits jeux aussi ce côté-ci. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et merci à vous. Et puis ben, si vous faites les jeux, mettez votre copie d'écran, ça serait vachement sympa. Allez, ciao tout le monde.